Et pourquoi est-ce que moi j'aime bien les canevas? C'est parce que je suis plutôt le genre de gars à tomber amoureux de mes projets. Je ne sais pas si vous voyez le biais incroyable qu'on a quand on tombe amoureux. C'est qu'en fait, on a des œillères comme ça, qu'il faut que tous les petits signaux faibles qui ont tendance à remonter, à dire, ah ouais, mais machin, non, je l'aime trop, il est trop beau, trop joli. Oui, mais c'est un connard. Non, je l'aime, elle est trop beau. On ne les voit pas. Et donc, ce qui fait qu'on va dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parfois sur des trucs qui sont pas, voilà, qui sont pas très pérennes. C'est un peu con. Et donc, moi, j'avais besoin, et quand je dis j'avais, j'ai toujours besoin, mais quand j'ai commencé à travailler avec ces outils-là, qui sont des outils qui ne sont pas des outils qui sont beaucoup, qui étaient beaucoup utilisés dans les médias, ça m'a permis de me mettre à distance, en fait, de mes projets. Donc, en gros, de me dire, j'ai une idée, ok, cool. A priori, je suis pas plus malin qu'un autre, donc mon idée, quelqu'un d'autre est capable d'en avoir une, et voire même à l'identique, en même temps que moi. Qu'est-ce qui va faire la différence entre mon idée et son idée? C'est la capacité à l'exécuter, en fait, à la mettre en place. Donc à aller vite et vite tester. Et de là est venue toute l'appropriation que j'ai essayé de faire autour du Lean. Le canevas que je vous ai montré des personas, par exemple, c'est quelque chose qui a permis à un moment donné de pouvoir vite faire des choix. Quand je vous parlais des projets de crowdfunding que j'ai montés avec des étudiants, on a réussi à en monter plus d'une centaine. On est à quasiment 120 maintenant. En utilisant entre autres ce genre d'outil-là, c'est parce que ça permet de se mettre à distance. Et en donné, quand on a un canevas comme celui-là, ma cave chez moi, j'ai rempli ma cave d'idées et de canevas sur lesquels je passe de temps en temps, puis je reviens, puis je joue avec mes post-it, et puis ça change d'une plage à l'autre. Mais au moins, je n'ai pas peur de me dire, là, il y a un truc qui ne va pas, il y a des trous dans mon canevas. C'est que c'est sans doute pas le bon moment, pas le bon endroit, pas les bonnes personnes. Et après, ça permet d'évoluer. Et puis d'y revenir surtout. Donc, ce que je vais partager avec vous là, c'est un canevas que j'ai construit en m'inspirant de trucs qui existaient par ailleurs. Donc, de nouveau, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Par contre, je me suis inspiré de deux autres canevas qui sont les Business Model Canva et le Lean Canva. Il y en a qui ont déjà utilisé ces outils-là ou pas du tout? Qui en avait déjà entendu parler? On n'est pas un grand groupe, donc allez-y, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à parler, à discuter. J'ai besoin de savoir si c'est des choses qui vous parlent ou pas, ou s'il y a moyen de. Pas du tout, Absolument pas. Personnellement. Non, D'accord. pas du tout Jamais? non plus. Ok. Jamais. Très bien. Vous voyez mon écran là? Oui. En suffisamment grand pour pouvoir lire ce qui est dans les cases Ouais. ou pas? Ouais, ça va. Ouais. Ok. Donc, ce canevas, c'est typiquement le genre de truc qui peut être très chiant. Surtout si on le considère comme étant un truc obligatoire. Donc, on n'est pas tous câblés de la même manière dans nos façons d'agir. Moi, je sais que pendant très longtemps, il suffisait que j'ai plusieurs projets en tête pour que, si j'en avais trois, par exemple, dans ma to-do list des choses à faire, à quel moment, qu'est-ce qui était urgent, qu'est-ce qui était important, je m'y perdais et j'avais l'impression que j'allais exploser en vol. Et très généralement, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'envoyais tout péter. Et puis j'allais fumer un joint et je me mettais sur le côté. Et puis, that's it. Donc, il n'y a rien qui avançait. En avançant, en devenant indépendant, en me disant, donné, bah, ok, j'ai travaillé 10 ans dans des grosses structures qui me permettaient de faire des projets, mais qui n'étaient pas les projets sur lesquels j'avais vraiment envie de pouvoir me jeter. Il me fallait une manière de pouvoir travailler de manière systématique. Ce genre d'outil, comme je vous dis, moi, je l'imprime en le plus grand possible, et puis je prends mes post-it. C'est une fusion, donc, et les liens sont en dessous, hein, le Business Model Canva et le Lean Canva. Ça permet en fait de se mettre à distance et de pouvoir jouer avec les différents ingrédients qui font qu'un projet peut fonctionner. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas. Alors, il y a une bonne manière de le lire, et ça, je vais le faire avec vous juste après, mais c'est jamais fini en fait. Il n'y a jamais aucun moment donné où on peut se dire, OK, il est tout rempli, c'est bon, ça va marcher. Il n'y a pas moyen que ça se plante, c'est banco et je vais gagner plein d'argent. Non, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment, il faut prendre ce genre de tableau et ce genre de canevas comme des aides à la décision. Vous restez, vous, les humains, les bonhommes, les nanas, derrière ces projets-là, maîtres de vos projets et maîtres de vos choix, avec vos intuitions, avec votre feeling, avec votre background.
sur la même idée, moi je l'ai fait plusieurs fois, sur la même idée, on met ce canevas-là en route, et ben on se retrouve avec des post-it qui sont différents, avec un timing qui est différent selon les personnes qui le remplissent. Pourtant, sur la même idée. D'accord ? Mais je vous encourage vraiment, si vous avez une idée derrière la tête, à l'acheter dans ce genre de canevas parce que ça va vous permettre de voir, un, la faisabilité, deux, dans quel ordre il faut le prendre et par quel bout il faut le prendre. Donc, c'est une série de questions à se poser et à se poser de manière assez méthodique pour essayer d'embrasser la globalité de ce qu'un projet de l'ordre du journalisme ou en tout cas de l'ordre de l'éditorial, de la construction d'un contenu, peut revêter. La première case, donc ça se dit phénomène, proposition de valeur, audience, et puis il y en a le storytelling qui est transverse, et ça, j'y reviendrai. La colonne du milieu avec l'impact, puis à gauche, structure de coût, structure de revenu. D'accord ? Donc, je vais le prendre dans l'ordre, et puis évidemment, on en discute. Évidemment, là où ça va être assez intéressant, c'est d'essayer d'appliquer ça à la thématique sur laquelle vous êtes en train de travailler. D'accord ? Pour que demain, la deuxième itération de votre projet puisse bénéficier de ça. Parce que le pitch qu'on va vous demander va devoir tenir compte d'un certain nombre de ces ingrédients-là. Donc, la première chose, la première question à se poser, c'est le phénomène, slash problème. D'accord ? À quel phénomène, à quel problème est-ce que je suis en train de m'intéresser ? J'ai une intuition qu'il faut qu'on ouvre notre gueule sur un truc, il faut qu'on en parle. Comment est-ce que je le décris ? C'est quoi les mots, c'est quoi les chiffres, c'est quoi les faits ? Souvenez-vous, ceux qui ont fait avec moi l'exercice sur les personas, on cherche en du factuel, on cherche des trucs qui sont indubitables, incontestables. Des chiffres, des rapports, un rapport validé avec le cachet de l'État qui dit que ces données sont effectivement les bonnes. Une source directe, éventuellement indirecte, mais surtout des sources directes. J'ai le témoignage de quelqu'un en première ligne qui m'a dit que je l'ai. Je ne suis pas en train de fabuler. Donc le but là, c'est de se baser sur un truc qui est solide, qui n'est pas uniquement sur base de votre propre intuition. Votre propre intuition, elle est utile, hein. Quand je parle d'intuition, ça peut être aussi votre fibre artistique, ça peut être votre sensibilité par rapport à un support. Tout ça, c'est des ingrédients qui vont venir en eux et s'ajouter dans le projet. Mais au départ, si vous voulez, c'est pas vous assurer que quelqu'un va en avoir quelque chose à foutre, mais c'est d'abord vous assurer que ce phénomène existe bien, que ça ne concerne pas juste vous, votre chien et votre grand-mère, quoi. C'est bien si ça existe et qu'il y a au moins 3 personnes dans le monde qui sont concernées. Mais si vous voulez en faire votre métier, si vous voulez que des gens vous payent pour raconter cette histoire, il va falloir s'assurer que ça concerne un peu plus de gens quand même. Donc, assurez-vous que ce phénomène, ce problème n'est pas un micro-phénomène, n'est pas un micro-problème, c'est quelque chose qui est réellement existant et qui a un impact sur la vie en société. C'est une manière de pouvoir débugger le truc et ne fût-ce que déjà à ce moment-là, retirer la prise. Moi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois d'avoir des idées et puis je commence à remplir. Alors, le panneau, je ne le remplis plus physiquement, systématiquement, mais je l'ai tellement pratiqué que je l'ai en tête. Et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de me dire là, je suis en train de m'emballer sur un truc, mais ça ne concerne que moi. C'est un truc de putain de geek, de merde, et je suis tout le seul concerné. Et arrête de prendre la nouille là-dessus. Ça n'a aucun intérêt. Parce que tout simplement, toi, ça t'intéresse. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres qui vont être intéressés. Comment je peux objectiver ça ? Donc, l'objectivation, ça passe par des chiffres, par des faits, par des rapports, par de l'open data, par toute une série de choses qui peuvent être en données utiles. Et là, de nouveau, hein, c'est post-it et vous notez. Tac, 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 tac. Ça va avec ça ? Ouais. C'est pas de la science, il faut pas avoir fait maths sup hein, pour le comprendre. Mais c'est une base et c'est important de se baser sur des faits. La deuxième case, c'est la proposition de valeur. Je vous ai dit tout à l'heure, à un donné ou à un autre, si on se rend compte que ça concerne d'autres gens que nous, ok, ça c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui fait que ma façon d'aborder la chose, le problème, le phénomène, va être différent de ce qui a déjà été fait? On n'est pas en train de parler d'une nouvelle formule chimique. On n'est pas en train de parler d'un truc qui... vous n'êtes pas en train d'inventer une nouvelle façon de transformer l'or en plomb, quoi. Ou l'inverse. On est dans des métiers créatifs, donc forcément, on s'inspire de trucs qui viennent d'ailleurs. On va picorer des trucs qui ont déjà existé.
maintenant qui existent déjà, qui ont déjà fait leurs preuves, mais on les met à notre sauce. Ok. Qu'est-ce qui fait que votre approche, votre angle, va être différent de ce qui a déjà été fait? Il n'y a rien de pire dans une rédac que d'entendre quelqu'un nous dire « Ouais, mais ça, on l'a déjà fait. » « Ah ouais, ouais, non, la rentrée scolaire, ouais, ouais, on a déjà fait. Ouais. » Bah ouais, la rentrée scolaire, il faut la faire. Les marronniers, il faut les faire. Mais qu'est-ce qui va faire que c'est ton sujet, Stanissi, qu'on va retenir et pas celui, le sujet d'une autre chaîne? Bah, c'est parce que, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme, là, je parle entre autres pour les Eracom, il y a des trucs à aller chercher. Il y a des trucs à innover. Il y a des façons nouvelles de pouvoir le proposer. Si vous êtes capable de réfléchir à ça et de dire, moi, ma proposition de valeur, elle est de tel ordre. Voilà ce que je vais proposer. C'est ce qui va permettre progressivement, et j'y reviendrai tout à l'heure, de ne pas être un simple prestat, mais de progressivement pouvoir vous positionner comme des partenaires. Un partenaire, c'est quelqu'un qui arrive avec une proposition qui a de la valeur pour une personne en face ou pour une entité en face, qui fait que dans la négociation, vous avez des cartouches en plus à tirer. Si vous êtes un prestat et qu'on vous dit « Fais-moi un 1500 signes, Coco », bah, le 1500 signes, on sait ce que ça vaut, on sait ce que ça paye. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a toute une série d'autres gens qui n'attendent que ça pour le faire, pour ce prix-là. Quand on a un prestataire, c'est alimentaire, ça marche bien, ça fonctionne bien, on sait les codes et on sait comment ça fonctionne. Quand on est un partenaire, on commence à avoir une proposition de valeur qui est plus importante. Et donc, on est capable de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi on va le faire? Pourquoi maintenant c'est important de s'y intéresser? C'est important de vous poser cette question-là pour vous, parce que ça, les réponses que vous allez apporter, c'est sans doute une des premières choses qu'il va falloir expliquer dans les contenus que vous allez proposer. Souvenez-vous ce que Guillaume disait ce matin, quand on attaque une vidéo, il faut expliquer la promesse. Juste, il faut faire en sorte que le pouce il s'arrête de scroller, et puis il faut expliquer la promesse. Si vous n'êtes pas capable d'exprimer la promesse tout de suite, bah vous prenez le risque que 80% de votre audience se barre. Donc la promesse, elle doit venir vite. Et la promesse, ce n'est pas le quoi, c'est le pourquoi. Donc pour vous, en amont, vous posez la question, c'est pourquoi je le fais? Comment je traduis mon intention dans des mots? C'est important. Quel challenge? J'essaie de relever. Ce n'est pas forcément un challenge. Le but, c'est pas forcément d'aller contre quelque chose, mais c'est plutôt par rapport à soi-même, le challenge que ça représente, et surtout, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte. Et comment je mets des mots là-dessus. Ok ? Ça va avec ça ? La troisième case, à qui je parle ? On en a parlé avec les personas. Il y a une notion qui est importante, enfin, il y en a deux qui sont importantes là-dedans, c'est la notion de early adopter et la notion d'expérience utilisateur. La notion de early adopter, ça vous dit quelque chose, ça ? Du tout ? Les premiers clients, les premières personnes visibles. Ouais. Les early adopters, c'est des gens... Vous voyez les mecs qui font la file pendant 3 jours pour acheter le nouvel iPhone? Alors qu'il suffit... C'est les fanatiques, en fait. De quoi? C'est les fanatiques. En gros, c'est les gars qui... En fait, ceux qui font la file pendant 3 jours pour aller chercher un iPhone, alors qu'il suffirait qu'ils attendent 2 jours et puis ils rentreraient dans le magasin tranquillou et puis aller chercher le téléphone, est-ce qu'ils le font pour le téléphone? Non, ils le font pour la hype qu'il y a autour et pour l'effet de nouveauté de l'avoir, quoi. Voilà, ils le font pour eux, en fait. Pour ce que ça va raconter d'eux-mêmes. Parce qu'ils étaient les premiers. Okay, les early adopters, c'est des gens qui vont au-delà du device, au-delà de l'objet, au-delà du fait de l'avoir vu en premier. S'ils le font, s'ils vont venir consommer vos contenus, s'ils vont venir surtout les partager, c'est parce que ça va raconter des trucs de eux-mêmes. C'est ceux qui, à la machine à café, font dire... T'as vu le... Ouais, moi je l'ai vu. Tu l'as pas vu? Ah, oh, si, moi ça fait... Pouf, ça fait 4 heures que je l'ai vu. C'est tellement old. Okay. Ces gens-là, si vous êtes capable de les identifier dans une audience, en fait, ça va être du marketing gratuit parce que c'est eux qui vont s'emparer de votre contenu et qui vont le partager. Ils vont trouver ça tellement bien, sur le fond, sur la forme, certes, mais surtout ce que ça va dire d'eux parce qu'ils vont le partager. Si vous êtes capable d'identifier cette petite zone du public-là, on considère que c'est entre 9 et 13%, je pense, d'une audience, qui sont des early adopters. C'est cela que Facebook essaye de targeter quand, au départ,
Facebook, quand vous publiez quelque chose, hein, Facebook le propose à un tout petit nombre de gens. Et si ce petit nombre de gens-là réagit, alors on propose le contenu à un plus grand nombre de gens, surtout pour les grosses pages Facebook. Si ce petit nombre de gens-là met des pouces et fait des partages, alors Facebook enclenche la vitesse au-dessus et propose ce contenu-là à un plus grand nombre de personnes. Si ces early adopters-là, ça n'a pas provoqué de réaction chez eux, alors le contenu, il n'est pas présenté. C'est ce qui fait que les audiences organiques d'une page Facebook, ça vous dit quelque chose, l'audience organique d'une page Facebook, ce que ça veut dire comme terme. Si vous avez 100 fans, hein, sur une page Facebook, à l'heure d'aujourd'hui, de manière naturelle, donc une page qui a 100 fans, qui poste un contenu, en moyenne, il y a entre 8 et 13 personnes qui voient passer ce contenu. D'accord ? Les autres ne le voient pas, parce que Facebook ne leur montre pas. Si vous voulez que plus de gens le voient, on paye. Et à ce moment-là, votre contenu est proposé à plus de gens, mais c'est parce que vous avez payé pour le faire. Ce paid content, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps dans le monde des médias. Si vous voulez être vu, payez. Tu veux que ta pub apparaisse entre la météo et le JT, paye. Tu veux que ton logo apparaisse dans un intro, dans une outro, au générique, paye. Donc, juste une petite question. Oui. Est-ce que, du coup, c'est indépendant en fait, du nombre de vues, ou alors est-ce que si justement ces early adopters, s'ils ont une image méga positive, ça va quand même continuer à être relayé sans devoir forcément payer, comme c'était le cas à une époque, il me semble. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, sur Facebook et sur les plateformes, les réseaux sociaux de manière générale, les algos ont une vision très précise de qui vous êtes. Alors, ils s'en foutent de savoir que vous appelez Tartampion ou Trucmuche. Hein, ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important pour eux, c'est votre profil. C'est qu'est-ce que vous consommez, pendant combien de temps, par où vous rentrez, par où vous sortez, etc., etc. Quel type de profil est-ce que vous avez sur la plateforme ? Est-ce que vous êtes un profil vérifié ou pas, etc. Ce sont tous des ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Et quand un contenu est proposé naturellement à un compte dès les quelques premières secondes après la publication, et qu'un compte certifié, qu'un compte qui a beaucoup d'abonnés, qui a beaucoup d'amis, qui a un reach important, partage, évidemment, ça tient, c'est tenu en compte dans l'algo de Facebook. Mais l'algo de Facebook, c'est une boîte noire. Hein. On connaît les ingrédients qui sont dedans, mais la pondération qui est dedans, elle change, elle évolue, elle bouge. Donc, on doit essayer de jouer avec, en fait. C'est un putain d'outil, mais on n'a pas la main dessus. On peut juste essayer de l'utiliser de la meilleure manière qui soit, et de continuer à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais ça veut dire que si vous arrivez à cibler les bonnes personnes et que ces personnes-là réagissent, il y a une courbe qui s'appelle la courbe de diffusion de l'innovation qui montre, je peux vous filer un lien là-dessus parce que c'est assez passionnant, qui montre qu'en fait, la vaste majorité du grand public n'essayera pas quelque chose, ne consommera pas quelque chose avant qu'un certain nombre d'utilisateurs l'ait fait avant. Ils doivent voir que des gens en qui ils peuvent avoir confiance, c'est la notion d'influence, c'est la notion de prescription, c'est des notions de ce genre-là, qui font que le grand public, d'une manière générale, est assez frileux, est assez réservé et n'aime pas trop prendre de risques. Les early adopteurs, ils n'ont aucun problème à prendre des décisions de tête. C'est coup de cœur, c'est... Il y a une vidéo assez géniale de Simon Sinek qui en parle bien. C'est un TED Talk qui a plus de 10 ans maintenant, qui dit qu'en gros, les premières télévisions à écran plat, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais les toutes premières télévisions à écran plat, c'était de la merde. L'image était dégueulasse et ça coûtait 50 000 francs. Quoi. Il y a des gens qui les achetaient parce que ça disait des choses d'eux. J'ai une putain de télé à écran plat, quoi. Et tu as dépensé un fric de dingue pour une merde, mais d'un point de vue techno, tu es OK, ça dit des choses de toi. Donc, réussir à toucher ces gens-là, et c'est pareil pour l'industrie culturelle d'une manière générale, réussir à toucher ces early adopteurs-là, faire en sorte qu'eux s'emparent de votre contenu et le repartagent, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et ça passe, entre autres, par la deuxième question au niveau des audiences, qui est l'expérience utilisateur. Quelle expérience est-ce que vous fournissez aux gens ? La notion de promesse dont on parle tout à l'heure, elle est valable aussi pour l'usage. Je vous montrerai une série d'exemples tout à l'heure où la promesse de l'expérience utilisateur est tellement chouette qu'en fait, les gens consomment un contenu et c'est tellement simple et c'est tellement intuitif qu'ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils vont aller au bout ou pas. Le premier exemple que je vous montrerai tout à l'heure, c'est une,
c'est un, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est même pas un article, enfin, c'est un contenu qui a été vu plus d'1 600 000 fois en Norvège, qui est un pays de 5 millions d'habitants. Okay. Vous voyez le ratio, quoi. Tout ça parce que l'expérience utilisateur fait en sorte que naturellement, parce que ça joue avec des codes, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça vous verrez de quoi je parle. Voilà. C'est un site, hein. D'accord, c'est responsif, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans ce genre de... En fait, donc c'est l'histoire d'un escroc qui utilisait Tinder pour se faire un max de pognon. Et toute l'histoire, ce n'est que du scroll. Et vous voyez que ça emprunte des codes visuels, des codes d'expérience d'utilisateur qui se rapprochent très fort de ceux des réseaux sociaux. Hein. C'est une story, c'est en vertical, c'est avec... Il y a plein d'ingrédients dedans qui font que naturellement, le pouce, il continue à descendre. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui sont bien mises en avant. Il n'y a pas beaucoup de texte. Hein. Il suffit de peu de choses, en fait. Il y a de la vidéo. Il y a un rubriquage. On se croirait presque dans un bouquin. Et puis, on continue de descendre. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, oh, de l'audio. OK. Et on me demande mon avis pour l'entendre. Bah, je vais cliquer dessus. Et je vais avoir de l'audio. Et je reste dessus. Quand le truc démarre. Oh tiens, c'est mon écran de téléphone. Ok, on emprunte des codes. C'est en ça que je disais tout à l'heure qu'on va picorer des trucs qu'on aime bien. Et de la création, c'est ça. C'est de la pure création, quoi. Dans le sens où on va emprunter plein de choses à gauche, à droite. Ils n'ont pas inventé l'écran de téléphone en faisant ça. Ils n'ont pas inventé les boutons play. Ils n'ont rien inventé en tant que tel. Mais ils ont créé en allant chercher des choses qui existaient. Et toute cette histoire, en fait, se raconte uniquement comme ça. Et c'est pas, très sincèrement, c'est même pas très compliqué à faire, quoi. C'est pas très compliqué à faire. Par contre, visuellement parlant, ça fait le job, quoi. Donc ça, je vous mettrai le lien. J'ai toujours un peu de mal avec le norvégien. OK ? Donc, qui a créé ça au final ? C'est un média. C'est le journal norvégien VG.no. Je vous mets le lien. Comme ça, vous avez... Ils font ça comme ça habituellement ou c'est un concept Du tout. C'est pas du tout le genre de choses qu'ils ont l'habitude de faire. Hop, je vous mets le lien que vous pouvez le rechercher. Non, c'est pas quelque chose qu'ils faisaient d'habitude. Mais ils ont vu que sur les réseaux sociaux, cette histoire-là touchait. Et donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut la raconter, quoi ? Comment est-ce qu'on peut re-raconter cette histoire du mieux possible ? C'est un feuilleton, en fait. Et l'histoire a surgi à un moment donné. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Si on fait juste un article, ouais, OK, c'est un gossip de plus, quoi. Tandis que là, ils embarquent les gens dans une aventure et ils sont dans cette logique de scrum. OK ? Je reprends mon tableau. Donc, quelle expérience pour les utilisateurs ? C'est vraiment se mettre à la place des gens. Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme chemin ? Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme navigation ? Est-ce que on parle beaucoup de ce scrollytelling, mais très rapidement, on verse dans une espèce de masturbation intellectuelle de la part du journaliste qui essaye d'en mettre le plus possible, avec plein de liens pour partir à gauche, à droite, et donner l'impression aux gens qu'en fait, c'est eux qui choisissent, qui sont les maîtres de la navigation, alors qu'en fait, ils sont juste perdus. Et comme ils sont à un clic, au mieux, de toujours pouvoir se barrer, généralement, ils se barrent. S'ils ne comprennent pas. Donc, il faut vraiment prendre les gens par la main. Bon, tout ce qui est UI, UX, ça, c'est quelque chose qui vaut son pesant de cacahuète. Oui, effectivement, mais on peut faire des ateliers complets autour de tout ça. Donc, je l'aborde de manière assez succincte, mais c'est important parce que ça répond, c'est une part de la réponse de la question à qui je parle.
Cette question-là, je l'ai abordée un tout petit peu ce matin en vous parlant de faire des fausses campagnes de publicité dans Facebook, mais c'est une excellente manière de pouvoir s'en rendre compte. Quand vous avez votre persona et que vous en avez d'autres et que vous en avez plusieurs, en fait, vous pouvez les cumuler. Vous n'allez sans doute pas les toucher au même moment, au même endroit. On en reparlera à propos du storytelling. Mais vous pouvez vous donner une impression de savoir c'est quoi le volume de gens qui sont intéressés par ça. Une des choses que le numérique a permis et qui est assez géniale, c'est qu'on n'est plus obligé de targeter les masses. Guillaume l'a dit aussi tout à l'heure, ou hier, je ne sais plus. Le fait que la distribution et les moyens de distribution ont changé, ça nous permet de pouvoir toucher peut-être moins de gens sur le volume, mais beaucoup plus de gens qualitativement parlant, homogènes sur une cible. Et je peux vous assurer que dans des pitchs, quand on vient me vendre des projets, moi, c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention. Je préfère 100 fois avoir une audience qui est de l'ordre de 10 000 ou 100 000 personnes, mais qui est très focus. On sait qu'on va pouvoir targeter une audience, on sait à qui on va pouvoir parler, quelle est la grammaire qu'on va devoir utiliser, plutôt que d'avoir des gens qui viennent nous vendre des projets. « Ouais, nous, on va faire 400 000, voire 1 million de personnes. » Généralement, c'est du flan. Généralement, c'est du flan. Et puis surtout, c'est des moyens que je n'ai pas pour aller toucher 1 million de personnes. Moi, c'est pas dans mon range. C'est un choix délibéré que je fais. Mais je préfère 100 fois avoir des petites audiences, mais très bien structurées. Donc, dans vos pitchs, dans votre façon de proposer les choses, ayez une idée de à qui vous parlez et quel volume de personnes est-ce que ça peut représenter. Faites une fausse campagne dans Facebook. Vous allez voir à quoi ça ressemble quand vous faites. Quand vous allez regarder un peu dans les indicateurs, vous dites, ben voilà les caractéristiques de mon audience, ben voilà le volume de gens que ça fait. Ça vous donne une bonne petite idée. Avant de passer au storytelling, moi, j'aime bien faire un jump à ce moment-là dans la case impact, voilà, qui est là en dessous. Pourquoi ? Parce que je vous disais, généralement, moi, j'ai plutôt tendance à me faire confiance et aller sur mes intuitions. Et donc, quelque part, à essayer de me faire plaisir aussi quand je produis des contenus. Or, même si c'est marqué nulle part qu'il fallait se faire chier, c'est pas moi qui vais payer mon propre salaire quand je produis un contenu. Donc, à un moment donné, il faut savoir mettre des mots sur l'impact qu'on veut avoir. Le why, donc la proposition de valeur, pourquoi, ok. Si je suis capable de mettre des mots sur le pourquoi, c'est déjà vachement bien. Mais le pourquoi, c'est aussi, est-ce que ça va provoquer quelque chose comme réaction chez les gens qui vont consommer le contenu que je vais produire? Et qu'est-ce que je cherche à provoquer comme impact? Des journalistes vont dire, moi, je voudrais faire en sorte que la loi change. Parce que je considère que c'est mon job de mettre en lumière un certain nombre de phénomènes et de problèmes qui ne sont pas légaux, et donc en montrant ça, ben, on va faire en sorte que la loi va changer. Et donc dans ma grille d'évaluation personnelle, de se dire quel impact est-ce que je veux par rapport à ce projet-là, ben, je veux faire changer la loi. Et au regard de cet indice de... Donc, je prends un extrême, hein, parce que changer la loi, ça arrive une fois tous les 43 du mois, et c'est on ne peut pas faire ça sur tous les sujets du JT, c'est juste pas possible. Mais se poser cette question de l'impact, c'est aussi de trouver du sens à ce qu'on fait, et puis aussi d'être capable d'assumer le fait qu'à certains moments donné, on va se planter, parce qu'on s'est mis comme objectif, de dire, bah, moi je voudrais que ça fasse au moins 200 likes et qu'il y ait 50 partages, quoi. Parce que la somme du boulot que j'ai fait, si je n'ai pas ça, je considère que je n'ai pas atteint mon objectif. Et si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. C'est juste que je peux m'auto-évaluer pour savoir la prochaine fois ce que je peux essayer de faire de mieux. Et si je surperforme, bah c'est cool parce que ça permet d'autant plus de jouir de son succès et d'en être fier et d'en être content et de ne pas avoir peur ni d'être dans une espèce de fausse modestie. Parce que c'est toujours un peu le problème aussi dans le monde des médias, c'est que dès qu'on commence à avoir du succès, ça entraîne des jalousies, ça entraîne un certain nombre de gens qui vont chercher à vous foutre des bâtons dans les roues, et donc on a tendance à faire des courbes rentrantes assez vite aussi. Alors qu'on fait des trucs qui sont bien, qui fonctionnent bien, mais par peur de paraître pour une grande gueule, on fait « oui, mais vous savez, non, putain, si ça marche bien, assume, quoi. Si ça marche pas bien, assume aussi. »
Et donc, c'est une des bonnes façons, je trouve, de pouvoir être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et donc, ce genre de tableau-là, ce genre de canevas-là, bah, ça permet de se mettre un peu à distance. Est-ce que je suis honnête avec moi-même quand j'évalue le succès de ce que je fais? C'est pas forcément facile. Si c'était facile, ce serait pas marrant. Mais réfléchir à cette notion d'impact, moi, je vous conseille de le faire en amont, avant de commencer à produire. Parce que quand on met le nez dans le guidon, on a tendance à interpréter tous les petits signes qui remontent comme étant des signes favorables. 20 likes, c'est bien, hein? Non? Hein? Le truc que j'ai posté, là, il fait 20 likes, c'est cool, 20 likes, non? Il fait 5 partages, c'est bien, 5 partages, non? Bon, moi, je suis content. Ouais, mais au regard de quoi? T'es content sur le moment, forcément. Mais est-ce qu'on se ment pas un peu à soi-même quand on fait ça? Donc, voyez-le comme un outil de décision personnelle, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire en team aussi, hein, évidemment. Donc, quel indice de performance, qualitatif d'un côté, quantitatif de l'autre, sur les metrics? Moi, je suis pas un grand fan uniquement de la metrics, parce que des chiffres, on leur fait toujours dire un peu ce qu'on veut et ça veut toujours dire un peu n'importe quoi. Par contre, en termes d'engagement, d'impact, de provoquer des réactions ou provoquer une action surtout de la part d'une audience, ça c'est encore plus intéressant, je trouve. Donc, l'impact sociétal et politique. Pour y arriver, on va mettre en place une stratégie de storytelling. Et le storytelling, c'est pas sale. Oui, c'est du marketing. Et oui, à un moment donné, il faut se vendre. Parce que bien sûr qu'on vend quelque chose, on vend sa force de travail, on vend ses capacités, on vend... Si vous avez fait des études, vous vendez le diplôme que vous avez été chercher à la sueur de votre front. Si vous êtes en job, vous vendez votre capacité de force de travail, vous vendez vos 8 heures de boulot par jour. Donc, fuck, ouais, bien sûr qu'on vend un truc. Mais chacun, on va aller mettre une définition différente de ce qu'on vend. Se vendre, c'est pas vendre son âme, quoi. C'est comme se raconter, c'est complètement différent de se la raconter. Oui? Oui, le distinguo entre les deux, la différence entre se raconter et se la raconter. Se la raconter, il n'y a personne qui vient avec un gun sur votre temps en disant « poste des photos de ta bouffe sur Insta ». Personne ne vous force à le faire. Vous le faites si vous en avez envie. La plateforme a été designée pour ça, pour vous donner envie de le faire. Mais qu'est-ce que vous gagnez, vous? Que dalle. Vous enrichissez juste la plateforme. Vous utilisez des outils qui se servent en fait de vous pour eux s'enrichir. Le storytelling, et ma définition à moi, c'est ça, c'est se raconter. Parce que quand je me raconte, quand je raconte un processus en train de se faire, je crée un truc qui, a priori, n'est pas encore possible d'acheter, c'est la confiance. Quand on est capable d'expliquer par où on passe pour produire un contenu, pour raconter une histoire, pour expliquer par où notre cheminement mental est passé, alors il ne faut pas forcément faire une thèse de philosophie, mais c'est juste en expliquant les heures et les malheurs de par quoi on passe, et surtout de ne pas parler que de soi. Parce que si vous faites que vendre votre soupe, vous êtes juste un vendeur de soupe. Mais quand vous êtes capable de parler de ce qui se passe autour de vous, et souvenez-vous, mardi matin, j'ai parlé de la notion d'écosystème, nourrir son écosystème, envoyer des liens vers des choses que vous trouvez intéressantes. Quand vous partagez un article qui vous permet de vous coucher un peu plus intelligent que quand vous vous êtes levé le matin, vous ne perdez rien. Vous n'êtes pas moins riche. Par contre, vous avez donné à voir de quel bois vous vous chauffez, qu'est-ce qui fait que pour vous c'est important. Et donc, en gros, vous créez de la confiance. C'est pareil pour n'importe quel projet. Un projet, à partir du moment où vous avez décidé d'y aller, racontez-le. Expliquez-le. Dites pourquoi vous le faites, votre proposition de valeur. Oui, mais si je commence à raconter ce que je fais, on va me voler mon idée. Peut-être. C'est que c'était une bonne idée. C'est juste que tu n'as pas été capable de l'exécuter. Mais ça, c'est autre chose. Il faut se donner les moyens d'y arriver, il faut bien s'entourer, etc., etc., etc. Mais raconter votre idée, c'est aussi une bonne manière. Ça m'a fait marrer 3-4 fois comme ça quand j'étais en télé, quand je bloguais ce que je faisais, mes chroniques, ce genre de choses. Et puis j'avais 3-4 semaines après des collègues qui arrivaient en disant « Ah, je vais faire un sujet au JT là-dessus ». Ouais, si tu veux, moi j'ai des liens, j'ai des trucs. Ouais, non, attends, c'est pas la même chose, c'est mon idée. Oui, si tu veux, je m'en fous, tu peux dire que c'est ton idée. Ça fait 15 jours que j'en parle en ligne. Mais c'est pas grave, faisons-le ensemble. Si tu veux pas le faire ensemble, fais-le de ton côté. Tu feras juste un sujet agité, je m'en fous. Moi, ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels je travaille de plus en plus en longueur.
Et ça ne m'empêchait pas de faire des chroniques en radio, en télé, quasiment tous les deux jours, quoi. Donc, se raconter, c'est ça. C'est ma stratégie de marketing éditorial. En tout état de cause, à chaque fois que vous produisez quelque chose, ne le gardez pas pour vous. Ceux qui sont encore aux études, tous vos projets, tous vos exercices, gardez pas ça pour vous. Publiez-les. Ça dit des choses de vous, parce que c'est ça aussi là-dessus qu'on va tomber quand on va taper votre nom et votre prénom dans Google. Hein. Je vous disais mardi que c'est pas votre diplôme que j'achète, moi, quand j'embauche. Ce que j'achète, moi, c'est ce que vous faites, ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, là où quelles histoires vous me racontez. Et à quelles histoires vous allez être capable de venir apporter votre force de travail. Évidemment, ça passe par la question de se dire bah, sur quel support, à quel moment, etc. etc. Ça, c'est tout le canevas qu'on a fait hier sur l'audience Canva, les moments d'information. À quel moment j'essaye, et c'est pour ça que la case de storytelling est en transverse dans tout le canevas, c'est parce qu'il y a une notion de timing. À quel moment est-ce que je fais quoi? À quel moment de la journée, à quel moment de l'évolution de mon projet, j'essaye de venir glisser des morceaux de contenu sous les yeux, dans les oreilles, de quelle audience? Ce sont ces questions-là qui sont vraiment importantes à essayer de se poser. Et il n'y a pas de bonne manière, façon d'y répondre. Hein. C'est à vous de jouer avec vos post-it. Ça va avec ça? Ouais. Je vous vois en tout petit. Ouais, ouais. C'est méga intéressant, n'empêche. Pardon? C'est méga intéressant, justement. Ça nous pousse un petit peu à nous remettre un peu en question. Et puis ce qu'on veut justement faire vraiment de... Enfin, justement, cette notion de genre, il faut bien vivre, mais en même temps, on aimerait vivre de ce qu'on aime, quoi. Ouais. C'est une façon de s'aligner, voilà. Et l'équilibre parfait, il n'existe pas. Hein. Le seul moment où on est vraiment à l'équilibre, c'est quand ça ne bouge plus. Moi, je n'ai pas envie que ça ne bouge plus. L'équilibre, c'est une résultante entre, tu vois, des trucs qui sont un peu comme ça. C'est des respirations, c'est une inspiration, une expiration. C'est des moments où on est super heureux, des moments où on est moins heureux, voire même carrément super triste. Et c'est ça qui fait en donner que la résultante est une forme de, ouais, une forme de d'équilibre. Mais l'équilibre plat, c'est très très chiant, c'est même mortel. Mais quand on tape trop d'un côté et de l'autre, oui, ça fait un peu mal. Être super 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 heureux, c'est pas très sain. Être super 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 malheureux, c'est pas très sain non plus. Ben, c'est pareil pour vos projets. Vos projets, ils ont une vie et avec des cycles. Et il y a des moments où, voilà, avec tous les entrepreneurs avec lesquels je travaille, on passe par des ups et des downs, des moments où on a l'impression qu'on tient un truc et puis deux jours après, putain, merde, les 5-6 interviews qu'on a fait, il n'y a rien, quoi, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que je continue? Et quand on est, parce qu'on est des créatifs, on fait pas ça pour le pognon, on fait pas ça pour monter des boîtes en engageant des millions de personnes, on fait ça parce qu'on pense qu'on doit ouvrir notre gueule. Mais comment on va le faire? Par où on va passer? Comment se poser les bonnes questions pour ne pas se fourvoyer, pour ne pas dépenser trop de temps, trop d'énergie, trop d'argent dans des trucs dont personne n'en a rien à foutre? Ben, ce genre d'outil-là, ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Et il y a deux autres questions qu'il faut se poser aussi, à un moment donné. C'est à gauche de l'impact. Combien ça coûte? Et à droite, qu'est-ce que ça rapporte? Parce que l'amour et l'eau fraîche, c'est bien, mais ça ne paye pas les factures. Et j'ai vécu des aventures éditoriales, entrepreneuriales, où j'y suis allé avec la fleur au bout du fusil et avec toute la meilleure volonté du monde et en passant un temps de dingue à faire des trucs. Et je suis ravi de l'avoir fait parce que ça en disait beaucoup de ce que je faisais, de qui j'étais et de pourquoi j'avais envie d'y aller. Mais j'ai pas gagné un bal en le faisant. Ah ben, à un moment donné, quand il faut faire des choix, c'est un indice, c'est un indicateur qui rentre dans la balance. Oui, j'adore ce que je fais, mais malheureusement, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Et je n'en gagne pas en le faisant. Donc, à un donné ou à un autre, il faut faire des choix. Et là où on a souvent tort d'opposer créativité, volonté, valeur avec la façon dans laquelle on peut gagner sa vie, c'est qu'il ne s'agit pas de dire c'est tout ou c'est rien. C'est pas j'abandonne toutes mes valeurs, j'abandonne tout... tout ce pourquoi j'ai envie de faire ce métier au profit de gagner de l'argent. Non, la vraie question à se poser, c'est quelle est la part dans les 100% de mes valeurs, dans les 100% de « oui, j'y vais, bien sûr que j'y vais, bien sûr que je dois le faire », quelle est la part
de ces 100%-là que je suis prêt à moyenner, c'est pas à abandonner, mais c'est à moyenner, quel compromis est-ce que je suis capable de faire tout en gardant mes valeurs pour faire en sorte que derrière, je suis capable à un moment donné de répondre aux besoins de quelqu'un qui va me payer pour le faire. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le décider en âme et conscience avec un curseur qui va évoluer avec le temps. Mais soyez honnête par rapport à vous-même. Mettez-vous ces indicateurs-là dans votre tête. C'est une aide à la décision. Et donc, quand vous remplissez la structure de coûts, là, de nouveau, de grâce, soyez intellectuellement honnête vis-à-vis de vous-même. Parce que peut-être que 2 piles, ça ne coûte rien pour mettre dans votre micro, mais si vous ne les avez pas, vous n'avez pas de son. Et 2 piles plus 2 piles plus 2 piles, bah ouais, en donné, ça coûte 20 balles. Et si on n'a pas les 20 balles pour les mettre dedans, on est dans la merde. Donc les 20 balles, il faut bien les chercher quelque part. Où est-ce qu'on va aller les chercher? De qui est-ce que je suis OK de gagner de l'argent? Et c'est des vraies questions, hein. Mais quand vous êtes capable de répondre à ces questions-là, après, la décision, elle est facile. Philippe Maurice, c'est no way. Mais vous allez avoir quelqu'un qui, à côté, va dire « Moi, les clopes, ouais, franchement, ça ne me dérange pas. » Bah, ok, vas-y. Et ce dilemme dans les agences de communication, il a été résolu par le nombre de personnes qui travaillent sur des projets. Pourquoi? Parce que quand Philippe Maurice arrive en disant « Je voudrais faire une campagne de pub », ah ben, il y a la moitié de la boîte qui va dire « un ». Et il y a l'autre moitié qui va dire « Bah ouais ». Et le patron au-dessus va dire « Ok, les gars, bah, moi, j'ai créé une diversité en interne pour faire en sorte qu'on ne va pas envoyer chier un client. » Ou au contraire, il va dire « un ». Moi, dans mon agence, il n'y aura pas de Philippe Maurice, il n'y aura pas de nucléaire, il n'y aura pas de... Mais il y aura du politique, mais il y aura... Ça, c'est... Voilà, c'est des curseurs que vous pouvez vous mettre à votre propre niveau, à vous. Et plus vous êtes capable de l'exprimer, plus ce sera facile, et plus... Alors là, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, et de nouveau, je ne me permettrai pas de vous raconter tout ça si je ne me l'appliquais pas à moi-même, mais avec le temps, à force de le faire, à force de... Et c'est pas une contrainte, hein, que je me mets... Mais à force d'essayer d'expliquer pourquoi je fais les choses, eh ben, d'une manière assez naturelle, ça éloigne les connards, les gens qui ne pensent pas comme vous. Ils ne viennent pas me chercher pour demander pour bosser avec eux, quoi. Et à contrario, les gens qui viennent me demander pour bosser avec moi, c'est qu'ils savent déjà un peu ce que je fais. Et donc, il y a une bonne partie de la négo qui est déjà faite. Et après, on négocie sur des, voilà, sur des choses qui sont très pratico-pratiques. Mais sur le pourquoi est-ce qu'on devrait bosser ensemble, les questions sont assez vite résolues. Parce que les gens qui ne sont pas du tout dans le même mood que moi, ils ne viennent pas me trouver, en fait. Mais ils n'ont qu'une seule manière de le savoir, c'est en voyant ce que je fais. Donc, je dois montrer ce que je fais. D'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas du nombrilisme, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est juste de dire, voilà de quel point de vue je me place. C'est ce que je fais au quotidien, entre autres dans un groupe Facebook qui s'appelle Open Newsroom. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà jeté un œil là-dedans. Je vais vous filer le lien, si ça vous botte d'aller voir. C'est un truc qui me prend un temps de dingue. Je gagne pas un bal en le faisant, mais où je fais appliquer ceux qui ont envie de venir partager une veille, de venir. Moi, c'est là en fait où je... Merde, j'ai perdu ma fenêtre. C'est là en fait où je partage tous les articles, tous les liens, tous les trucs qui moi me permettent de me coucher un peu moins con. Hop. C'est un groupe qui est public. Hein. Il y a toute une série de mes anciens étudiants. Il y a des rédacteurs en chef, il y a des artistes, il y a des gens du monde de la com, il y a des gens du monde de la pub. Il y a pas mal de mes anciens étudiants depuis 4-5 ans en France, au Maroc, en Belgique. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ma façon à moi de montrer au quotidien un petit peu, à travers des articles, et où je ne vends rien. Hein. Je dis juste, voilà, moi, j'ai appris un truc, et voilà ce que j'ai appris, je trouve ça intéressant, et puis on peut en discuter. C'est une manière aussi d'utiliser Facebook un peu contre lui-même. Puisque je ne vends rien, bah, je ne paye pas pour être dedans. Par contre, on s'en sert pour créer un peu de richesse intellectuelle, et ce n'est pas plus mal. Hop, je reviens sur mon tableau pour la dernière case. Structure de revenus, donc ici, en bas à droite. On n'a jamais eu autant de sources différentes de financement pour nos contenus. On a, je pense, tort de penser qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner sa vie dans le monde des médias, que les bonnes vieilles méthodes, que ce soit de la pige, que ce soit de la subvention, que ce soit la pub, whatever, c'est pas ancré ad vitam aeternam. Il n'y a rien qui a une licence universelle
pour continuer à faire du pognon. Les médias privés le prennent en pleine tronche parce que la façon dans laquelle la distribution du marché publicitaire se fait aujourd'hui rend caduque les anciens modèles économiques. Il faut les réinventer. Alors, les réinventer à l'échelle d'un groupe de presse, c'est pas facile. L'inventer à l'échelle d'un individu, c'est déjà un peu plus facile parce que ça permet de changer, ça permet d'évoluer. Et donc, dans votre propre carrière, que vous soyez journaliste, que vous soyez caméraman, que vous soyez monteur, que vous soyez même au niveau du marketing, etc., etc., vous pouvez créer votre propre modèle économique. Et évidemment, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Mais même les salariés se créent aujourd'hui leur modèle économique. Vous faites partie d'une génération, en tout cas je parle des plus jeunes parmi vous, vous faites partie d'une génération où le turnover dans les entreprises est de l'ordre de 2 à 3 ans. Okay. Donc, attirer les talents aujourd'hui dans une boîte, il ne suffit pas de les salarier. Et vous le savez bien. Ce n'est pas parce qu'on va vous filer un salaire, ce n'est pas parce qu'on va vous donner un CDI, vous serez heureux. Hein. Et il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de cette sécurité de l'emploi. On est un peu biberonnés et tous à ça depuis longtemps. Ah oui, mais non tu ne vas quand même pas faire comédien, mon fils. Et la sécurité de l'emploi, tu pourrais être médecin ou dentiste. Bah ouais, mais j'ai envie d'être comédien. Parce que ça, je sais pourquoi j'ai envie de le faire. Et les métiers qu'on fait ne sont pas des métiers où on va être Crésus. Hein. Ce n'est pas nous qui allons gagner de l'or en barre. Peu de chance. Parce qu'on le fait avec un certain nombre de critères, un certain nombre de valeurs. Mais il faut pouvoir gagner sa vie en le faisant. Et pour ça, bah, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est de tester, c'est d'expérimenter, c'est de créer votre propre modèle économique. Et moi, mon indépendance, je la mesure à ma capacité à dire non. Non, ce projet, j'y vais pas. Il pue du cul. Je le sens pas. Il y a un truc qui coince. Oui, il y a peut-être du pognon derrière, mais si je le fais, ce que ça va dire de moi et ce que ça va dire de mes intentions, ben, ça va pas coller. Je vais pas pouvoir l'assumer pleinement. Je vais pas pouvoir en parler autour de moi. Et moi, j'aime bien être fier de ce que je fais. Donc, oui, bah, je vais peut-être m'asseoir sur du pognon, mais tant pis. Et quand vous avez cette capacité-là, en tant qu'individu, bah, vous pouvez le faire aussi au sein d'une boîte. Et vous pouvez très bien être salarié et conserver votre indépendance. Aujourd'hui, les patrons, et moi, je passe un certain nombre d'heures maintenant dans mes semaines à faire du chasseur de tête. Parce que voilà, j'ai des entreprises qui me demandent de repérer des talents et d'essayer de les attirer pour venir travailler dans des entreprises. Les patrons, aujourd'hui, ils comprennent qu'il y a un truc qui est en train de se passer, c'est que s'ils ne sont pas capables de vous garder, vous allez vous barrer. Que vous soyez dans le service public ou dans le privé. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités de créer son propre petit espace de possibilités. Alors, quand on travaille dans une boîte comme la RTS, bah oui, c'est parfois plus compliqué de dire « je vais tout planter et me barrer ». Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est d'avoir toujours des side projects. De toujours avoir cette idée que quelque part, à un moment donné, bah, il y a peut-être des choses qui peuvent émerger. Et ce qu'on est en train de faire là, bah, c'est peut-être un des side projects qui va peut-être vous occuper pendant les 2-3 semaines qui vont venir ici et que peut-être qu'en interne, il y a des gens qui vont se montrer intéressés, qui vont vous dire « Ok, on peut travailler dessus ». Et notamment par rapport à l'RTS, c'est ce qu'on va essayer de faire samedi matin pour que vous soyez capable d'aller vendre en interne ce sur quoi vous êtes en train de travailler maintenant. Et de venir avec ce genre d'outils remplis, en ayant montré que vous avez compris qu'il fallait un problème, un phénomène auquel on s'attache qui soit factuellement correct, où il y a une proposition de valeur dans la façon de le traiter, dans l'angle, qui a une valeur ajoutée, que vous savez à qui vous parlez, où vous allez les trouver, qui sont les premières personnes que vous allez essayer de toucher avec ce contenu, que vous allez raconter une histoire qui aura un début, un milieu, une fin, que vous voulez un impact, vous savez pourquoi vous le faites, que ça va coûter un peu de sous. Alors, à la RTS, ce ne sera pas directement vous qui avez les cordons de la bourse en main, mais ça va coûter un quart temps d'un monteur et d'avoir un ingé son et d'avoir un peu de studio et d'avoir un peu de montage et puis d'avoir peut-être un habillage, et etc., etc. Voilà, vous faites la liste des courses. Et qu'est-ce que vous allez gagner derrière? Ce sera sans doute pas de l'argent, mais ce sera peut-être d'une autre nature, en interne. Et en externe aussi, si vous êtes a priori capable de montrer qu'il y a du public. Good?
que vous avez des questions par rapport à ça. Je sais pas si tu l'avais dit au début, mais est-ce que ce Canva, tu pourrais nous le mettre à disposition? Oui, bien sûr, il est open source. Donc, je vais vous le remettre. Moi, je vais le mettre dans le... Hop. Je vais le mettre dans le général, hein, comme ça. Ouais. Il y a... Bon, j'ai écrit pas mal d'articles autour de ce truc-là pour l'expliquer et pour montrer comment l'utiliser. Parce qu'il continue à évoluer. Je pense que c'est la sixième version que j'en fais. Mais ça continue à évoluer. Hop. Et puis, emparez-vous-en, quoi. Il n'est pas parfait. Mais, hop. D'autres questions ? Après, il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça peut vous être utile. C'est de le faire. Prenez une idée qui vous trotte en tête depuis un certain temps et puis calez là-dessus ce week-end, quoi. Et avec vos collègues sur la thématique sur laquelle vous travaillez, sur votre proto, allez-y, il y a moyen de se poser les bonnes questions par rapport à ça.